de vérité, nous avons besoin de toi. Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles pour bien écouter la parole de ce soir. Esprit de vérité, esprit de Pentecôte, descend au milieu de nous afin que la parole que nous allons partager soit gravée dans nos cœurs à jamais. Amen. Nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Shiloh, l'homme de Galilée, Emmanuel est Dieu avec nous, l'homme des miracles, Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est la vraie conversion. Le Seigneur m'avait donné une parole. Il dit, comme c'est le début, il faut prêcher cette parole. Ça veut dire qu'il y a la vraie conversion. Nous croyons que tous, nous voulons suivre Jésus. Mais nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se convertir. Parmi les disciples de Jésus, même les gens qui suivent Jésus, nous constatons que plusieurs fois semblables, ils ne sont pas venus suivre Jésus. Mais ils sont avec nous, comme au combat, ils sont dans les promotions, ils dansent des voix, ils s'engagent même dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ne sont pas venus se convertir, bien-aimés. Bien-aimés, c'est Jésus lorsqu'il te touche. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester le même homme. Même pour les servir. On ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. Nous allons voir un homme. Nous disons dans Matthieu 10, 1 à 5. Matthieu 10, 1 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Amen. Amen. Acclamez la parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la multitude qui suivait Jésus. Après quelques mois peut-être, Jésus a choisi 12. Après avoir prié, Jésus n'avait pas choisi 12 dans la chair, non. Il est allé prier, il a choisi 12 qu'il appela apôtres. La multitude qui suivait Jésus, c'était des disciples qui suivaient Jésus pour être guéris, pour être libérés, pour manger. Chacun avait ses raisons. Parmi les 12, non. Dès le début, Jésus a dit, il s'appelle Judas Iscariot, c'est lui qui devait le livrer. Quand Jésus a donné les instructions, Judas aussi a reçu les instructions. Quand Jésus leur a donné comment il fallait faire les stages, Judas était aussi avec eux. Même quand les apôtres sont partis, au retour, ils ont dit à Jésus, les démons même nous ont été soumis. Judas était avec eux. Tout ce qu'ils ont fait, Judas était avec eux. Quand Jésus a multiplié les pains, Judas était là. Tout ce que Jésus a fait, Judas a vu, Judas a attendu, il avait tout fait. Suivre Jésus, c'est bon. Mais appliquer, obéir, pour arriver à la vraie conversion, c'est ça qui est très compliqué.
Judas était parmi les 12. Il a reçu les instructions. Il a réservé les enseignements. Quand Jésus prêchait la foule, les soirs, Jésus prenait les 12. Il leur expliquait les paraboles. La manière que Jésus expliquait les paraboles, il n'a pas expliqué ça à la foule. Judas était parmi les gens que Jésus enseignait à côté. Alléluia. Judas était parmi les 12. Les 12 ont vu Jésus opérer tous les miracles. Les 12 ont vu Jésus ressusciter la femme de Jaïrus. Les 12 ont exprimé la puissance de Dieu à côté de Jésus. Les maîtres. Mais Judas est resté incrédule. Ce qui est étonnant, c'est que Judas était même le trésorier du groupe. La bourse, c'était lui. C'est lui qui gérait les finances. Mais Jésus savait dès le début que Judas allait le livrer. Mais il n'a pas arraché la bourse. Il n'a pas arraché l'argent. Souvent, quand nous dirigeons, les gens croient qu'on est naïf. Même si je vois, si Dieu me dit que c'est lui qui est là-bas, malgré ses défauts, il reste là. Le Seigneur sait à quel moment, quel jour, il va faire quelque chose dans la vie de la personne. Nous lisons Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6, 66 à 70, je lis au nom de Jésus-Christ. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon, la parole du Seigneur. » Amen, acclamez la parole. Bien aimé, la parole de Jésus était due. Quand Jésus a commencé à parler, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui qui va manger, il va vivre. Les Juifs n'ont pas supporté ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ont tous quitté Jésus. C'était après l'enseignement, Jésus l'a expliqué, c'est lui qui va prendre le pain. Ma chère, ils n'ont pas supporté cet enseignement. Ils ont commencé à quitter. Ils sont restés avec 12 seulement. Avec les 12, Jésus leur a demandé, et vous les 12, pourquoi vous ne partez pas? Pierre respirait par le Saint-Esprit. A répondu, oh, irons-nous, Seigneur? C'est toi la source de vie, c'est toi la parole de vie, c'est toi le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a répondu, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous a un démon. Celui qui avait un démon était avec eux. Il avait la bourse du groupe. Jésus n'avait pas arraché la bourse. Tu peux continuer. Qu'est-ce que Jean a dit là? Jean 6, 71. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Jésus parlait de Judas Iscariot, c'est lui qui devait le livrer. Jésus savait qu'il était là. Malgré les miracles, malgré les guérisons, Judas ne s'est jamais converti. Malgré tous les miracles, malgré la connaissance de Jésus, Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas un homme comme nous, né de la sorcellerie, né de cannibalistes. Jésus, né fils de Dieu, mais Judas était à côté. Il ne s'est jamais converti.
Au contraire, il endurcissait son cœur. Il dit, l'air des voix et des morts. Quand Jésus a fait la prière sacerdotale, il dit, Seigneur, je vous présente tout le monde. Sauf les enfants de la perdition. Qui est l'enfant de la perdition? Ça veut dire ceux qui viennent dans les assemblées, ceux qui ne se convertiront jamais. Ceux qui viennent avec une ordre de mission. Ordre de mission de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez la communauté ici. Au parc un jour, j'ai prêché. J'ai vu la foule venir. Papa là qui prêchait, nous avons vu la foule venir. Le Seigneur m'a dit, ne vous contentez de la foule. Dans la foule là, il y a des Judas. Il y a des gens qui viendront pour détruire l'œuvre. Dans toutes les assemblées, il y a des Judas qui ne se convertiront jamais. Leur travail, c'est toujours détruire. Comment les Judas se détruisent? Amen. Les Judas se détruisent parce qu'ils ne sont pas venus honorer Jésus. Ils sont venus détruire pour amener les gens à Satan. Lis Jean 12, papa. Jean 12, 3 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, où est nu le pied de Jésus, et elle lui essuya le pied avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture, la parole. » Acclamez la parole de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur Marie de Béthanie, lorsque Jésus a opéré le miracle, quand il a ressuscité leur frère, quand Jésus est venu manger un jour, il a acheté un parfum très cher. Il est venu avec le parfum, il a mis ça dans ses cheveux, il a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Judas était là. Judas a vu ça que c'est des gaspillages. Il dit non, il ne faut pas gaspiller comme ça. C'est parfait, là, on va les vendre pour les pauvres. Jésus connaissait sa passé. Jésus savait très bien que ce n'est pas pour les pauvres, mais parce que c'était un voleur, c'est lui qui avait la bourse. Bien aimé dans le Seigneur, les Judas dans les assemblées ne cherchent pas la gloire de Dieu. Même quand nous donnons là-bas les offrandes, les Judas à côté, comment tu seras les Judas à côté? Pourquoi? C'est pour les Olangues. Les Judas sont là pour contredire la parole, pour répandre des faux bruits, pour décourager les gens. On peut prêcher la parole de Dieu, Judas à la porte, il va tout détruire. Alors quand les gens ne connaissent pas que ce soit des Judas, les naïfs s'attachent à eux. Ils perdent tout. Dans les églises, il y a beaucoup de Judas. C'est comme ça les églises n'avancent pas. C'est comme ça il n'y a que la pauvreté. Parce que les Judas se sont assis partout. Pour décourager les gens, tout ce que vous voulez faire pour Dieu, ils sont là pour contredire. Pourquoi vous voulez comme ça? Pourquoi toujours l'argent? Ça, c'est les Judas. Dans les sièges où il y a beaucoup de Judas, les misères ne grandissent pas et les gens ne donnent pas. Parce que les gens n'ont pas encore grandi, les Judas circulent les faux bruits. Pourquoi vous donnez? C'est pour les Haïrois, c'est pour les Congolais, vous voulez arracher les Congolais. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'enrichissez pas les Congolais, vous n'enrichissez pas les Haïrois, parce que les Haïrois qui ont amené le mystère, et même ont vendu leur maison, qui a fait que les missionnaires vont avoir payé aujourd'hui. Vous n'enrichissez pas les Olangues. Vous êtes en train de donner à Dieu pour votre délivrance, pour votre épanouissement, pour votre bénédiction. Quand vous avez des Judas, tout le temps,
murmurer, critiquer les pasteurs, critiquer les serviteurs de Dieu. Les Judas ne voient que des choses mauvaises. Parce que lui ne peut pas voir de bonnes choses. Il n'est pas venu glorifier Dieu. Il est venu détruire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas louer Dieu. Il ne peut pas glorifier Dieu. Il est là pour voir que les mauvaises choses. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a dit ça? Mais pourquoi on n'a pas parlé comme ça? Lui, il est venu corriger même la prédication. Mais comment tu vas corriger la prédication? Toi qui ne connais pas comment Dieu a donné la vision. Et puis les Judas se sont convaincants. Parce qu'ils ont l'esprit de Satan. Ils ont la domination sur les groupes. Les groupes que lui-même a pris, qui sont ses prisonniers. Il parle mal de Jésus. Et ce sont ces gens-là qui amènent les gens chez les prophètes. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. Et même si nous prions ici, alors chez les prophètes. Pour lui, il n'a pas d'intérêt ici. Des miracles qui se font ici, ce n'est pas son problème. La restauration des foyers, ce n'est pas son problème. La délivrance des gens, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est amener les gens en affaire. C'est ça le Judas. Toi qui es venu au combat, qui est ton ami, qui est à côté de toi, la personne qui te fréquente, il est Judas, hein? Ou bien il est parmi les apôtres les meilleurs. Vous racontez de quoi? Plus vous avez des Judas qui vous fréquentent, plus vous perdez tout. Non seulement vous perdez la vie, vous perdez la repentance, vous perdez la vie éternelle, mais vous perdez la bénédiction, vous perdez le mariage, vous perdez tout. Parce que Dieu n'est pas dans les critiques. Dieu n'est pas dans les mensonges. Qui est ton ami? Si on n'avait pas la vision, Israël n'allait pas grandir comme ça. Chaque fois que les Judas se veulent s'élever pour parler de ministère, je me lève aussi dans les jeunes et je parle. Et moi, je connais les Judas. Comment vient-il par exemple? Tu es engagé quelque part au ministère chrétien de combat spirituel. Tu vis avec une femme depuis 3 ans chez toi à la maison. Dans les publicités, vous avez la foi, mais tu continues à prêcher. Tu continues à lier. Tu continues à cadrer. Tu continues à délivrer. C'est le Judas. Il y a de cela 2 ans, des mamans sont venues me dire. Ah, maman, moi, frère, Wana, qui travaille dans tel endroit, à Vivacan, la jeune fille, moi, quoi. Là, le bim à l'âme. Les gens croient que quand on vient dire ces choses chez nous, nous sommes au tic au tac. Nous ne sommes pas naïfs, nous. On ne peut pas me dire aujourd'hui que tu es le plus sain, je vais te gronder. Je ne peux pas te gronder. Je n'ai pas de preuves. Je ne vais pas pécher. Si on me dit que tu es là le plus sain, c'est ton problème à toi-même. Ça ne me regarde pas. La vie éternelle, c'est toi-même. Les dangers, c'est pour ceux qui sont avec nous. Quand on m'a dit pour ses frères, j'ai fait 2 ans. Je ne parlais pas. Les frères continuent à prêcher, à œuvrer, là où ils travaillaient. Et puis l'autre jour, là, j'étais venu ici sur les enseignements, le soir. Il y a de cela 4 jours. Une fille était là, avec un bébé, de 9 mois. Il dit, maman, j'allais faire le scandale. Le bébé, c'est pour les frères tel. J'avais que c'est le bébé de frère. Figure des frères. Là, elle lui dit, c'est bon. Tu vas venir à la maison. J'ai appelé les frères avec les départements là où ils travaillent. Ils sont venus à la maison. J'ai fait d'abord les repas. On ne commence pas avec les marteaux. Jésus a dit aux disciples, malgré la sorcellerie de Pierre, Pierre était ni. Il dit, à foi, vous n'avez rien mangé. J'étais avec les mamans sociales hier. Moi, j'ai dit, mais le premier social, c'est Jésus. Comment Jésus a suivi les apôtres? Jean 21, au lieu de donner le manteau à Pierre, il n'a pas donné le manteau à Pierre. Premier souci, avez-vous mangé quelque chose?
pendant que Pierre était né. C'est quand Jésus a posé cette question que Jean a vu aussi le Seigneur. J'ai laissé rester à la maison. Quand on a fini de manger, frère, comme Azali dit, non. Quand j'ai posé la question, Asiliki, moi, on dit au petit, Sidikate, Soko Zalakamukongo, il fallait aller là, maman Libisa, maman t'as la bébé, regarde bébé, l'ongouane est là. La côte ici, bébé, t'as le bébé. Tu n'as rien à dire. Pendant qu'elle est basée, mon sali prière, il est quoi, bon, d'accord? Tu es Judas, vous ne vous convertirez jamais. Les Judas, ne craignent pas Dieu. Après avoir couché avec des femmes, ils vont venir faire les chaînes de prière. Oh, qu'il soit maudit, ces gens comme ça. Que le Seigneur les rencontre et les juge un jour. Les gens qui ne craignent pas Dieu, soyez maudits au nom de Jésus. Moi j'ai dit frère, mais tu n'as même pas parlé. Si c'était moi, j'allais me jeter par terre. Maman, pardonne-moi. Regarde cette figure là. Moi j'ai dit, tu vas rester là où tu t'en vas. Tu vas la marier. Je ne la marierai jamais. Tu la marieras jamais. Judas ne mariera jamais. Toi, peux Moussa aller Sili. Ministère, peut Sili. C'est fini. On ne peut pas continuer longtemps avec les Judas Escariot. Nous sommes venus chercher Jésus dans la repentance, dans la sanctification, pour d'abord chercher premièrement les royaumes des cieux et les restes, les mariages, les enfants, les maisons viennent après. Ce ne sont pas les maisons, c'est intéressant. Ce ne sont pas des mariages. Tout cela, ça va rester. Nous sommes des cotiques là. C'est la vie éternelle d'abord. Judas, il n'a pas besoin de vie éternelle. Judas, c'est la bourse. C'est l'argent. Ce n'est pas la vie éternelle. Jésus était là. C'est la vie éternelle. Comme il avait une mission, il s'en foutait de Jésus. Même dans les églises, même au combat, c'est pareil. Judas était là. Un envoyé satanique hein, à côté de Jésus. Mais il était là. Il s'est jamais converti. Il défendait les pauvres. Jésus savait que c'était pour voler l'argent. Les Judas sont là pour les intérêts. Chaque intérêt de Jésus, ils sont mécontents. Ils ne veulent pas qu'on donne pour Jésus. Quand vous donnez pour Jésus, oh bon, ça qu'on bongi ça bateau songolo. Et comme les gens ne grandissent pas, il y a ça là. Mais il y a ça là comment? Vous savez, les gens viennent au ministère comme les nôtres. Les gars, les agars. Donc, comment on va me suivre? La passe à bagarre. On construit à tout moment. Comme les gens grandissent, ce n'est pas pour défendre. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous construisons. Quel est l'église de réveil qui a une école comme la nôtre? Quel est l'église qui a des maisons comme la nôtre? Les couples, là, ils n'ont jamais acheté la maison avec l'argent du ministère. Nous, l'argent, ce n'est pas pour nous. Alors, quand les Judas sont là pour vous décourager, pour que tu donnes au Seigneur, les couples aux langues, nous sommes les premiers partenaires. Comme j'ai toujours dit, on a vendu la maison, c'est pour avancer l'œuvre. La seule maison qu'on avait bien aimée, ce n'est pas pour venir vous escroquer. Nous avons compris que la francophonie a un problème. La francophonie n'élève pas Jésus. Nous vendons notre maison, nous allons bâtir l'œuvre, et ceux qui viendront après nous, nous allons bâtir l'œuvre ensemble pour que Jésus soit honoré dans les pays francophones. C'est tout. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Vous ne verrez jamais, quand nous avons nos projets, donner l'argent. Jamais. Moi, si j'ai besoin d'argent, je prends les crédits. J'ai mes affaires. Je prends les crédits de 100 000. 150 000. Hier la nuit, j'ai appelé un enfant qui travaille quelque part dans une banque. Je vais prendre les crédits. Bientôt 25 ans. Nous voulons bâtir la 17e mairie. Petit, il y a Canada qu'on a joué à crédit. Tout ton gabiloko. On n'a pas encore annoncé ici. Toujours joué à crédit. Nous
Nous nous sommes décidés d'élever Jésus. Nous ne sommes pas venus pour nous enrichir. Mon mari avait un travail. L'appel que nous avons reçu, c'est pour dire à tous les pays francophones que c'est possible de réussir avec Jésus comme les anglophones. Mais les Judas travaillent dans les églises pour bloquer, pour que les gens ne donnent pas, pour bloquer, pour que les gens ne voient pas, pour parler toujours mal, comme les Judas. Et nous bénissons le Seigneur. Nous disons Jean 13, à partir de 21. Jean 13, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler à son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariot. Luc 22, 47, 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus voyaient ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperez-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure. Acclamez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de Judas. Même si tu fais du bien à Judas, il ne peut pas reconnaître ça. Nous, on connaît ça. Mais nous, nous connaissons que nous devons toujours faire du bien. Nous, on sait, même à Judas, on doit toujours faire du bien. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Notre problème, c'est obéir à la parole de Dieu. Jusqu'à la fin, tu n'es pas converti. Judas est parti. Il est revenu. Il est allé prendre l'argent. Il a donné un bisou à Jésus. On a arrêté Jésus. Il était avec Jésus. Les trésoriers de l'homme de Galilée. Les fils de Dieu vivant. Le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est lui qui connaissait tout. Il avait leur bourse. Il était trésorier. Mais Jésus n'a pas racheté la bourse. Il a trahi Jésus avec la bourse. Il n'avait pas jeté cette bourse. Au contraire, il est allé prendre de l'argent auprès des sacrificateurs pour venir livrer Jésus. Ça, c'est les Judas. Les Judas, leur problème, ceux qui viennent avec ici, comme des Judas, toutes sortes. Les Judas spirituels, ceux qui font dans les eaux, prendre les eaux des reines des eaux, ceux qui font dans les loges, dans les féticheurs,
chez les coutumiers. Nous avons un frère ici. Il vient de se convertir. Il est dans les classes de la famille. Il a dit, il s'est converti pourquoi? Il dit, les parents là, ils ont un Dieu. Quand ils ont commencé à voyager en Afrique de l'Ouest, c'est le moment où on a fait la réunion. Dans les ténèbres, on devait détruire le mystère. Il dit, moi, j'étais dans ces réunions-là. Quand ils étaient absents, il dit, moi, que vous voyez, j'étais venu rester à la cité de Triomphe. Je suis dans les ténèbres. On a vécu ici, il y avait beaucoup de gens de ténèbres, il y avait des magiciens, il y avait des occultistes. Nous sommes venus détruire la mission. Il dit, pourquoi je me suis converti? Depuis que les parents sont rentrés, ils ont mis de l'ordre, petit à petit. Ils ont chassé les malfaiteurs, petit à petit. Ils ont pris des maisons. À part ça, ils ont amené les gens. Sans scandale, nous avons vu que depuis là, ils travaillent, les ministères commencent à revenir comme c'était avant. Voilà pourquoi je me suis converti. Un jour, il va témoigner. Il est dans la classe. Les journaux avaient occupé la place ici. Nous avons trouvé la publicité ici. Les gens, les enfants montent ici. Mais tout le monde était là. On a trouvé 17e numéro 19. Le Seigneur m'avait dit de faire le Jefak. Les mamans ont fait des magasins. Ils ont commencé à mettre les enfants pour vendre. Et même étant absente dans ces magasins. Et ces enfants ont commencé à faire les publicités. Ils ont commencé à avoir des enfants. Là, pourquoi j'ai tout cassé. Les Judas, ils sont pour détruire. Quand nous sommes absents, pour détruire, là c'est l'empoisonnement, Babomiye, là n'a qu'au bon moment. Toi, tu n'as pas de problème ici. Tu as un problème là où tu as laissé le trône. Hein? Tu n'as pas servi les Olingues. Hein? Tu as servi la famille. Hein? C'est toi qu'on a mis ta chaise là-bas. Hein? Qui va te suivre ici? C'est ta famille. Hein? Qui va te suivre ici? Qui a un problème avec toi? Parce que quand nous venons ici, tout le monde est dans le désert. Qui va t'empoisonner? Ça, c'est le Judas Iscariot. Pour faire fuir les gens. Mais là, comme les gens sont naïfs, il y a Saul là quoi. Qui te connaît? Avion, il nous a empoisonné. Ils ont ma voix. On dit qui t'a servitude? On dit qui t'a sorcellerie? Tu es dans la distraction? C'est ta famille? C'est ton clan qui te poursuit ici pour t'agnatir? N'oublie pas les enseignements. Diable a dit, a changé Binou Bakan ici. A changé Binou Matéya. Notre Matéya est constant. Tu n'as pas de problème avec les gens de combat. Aucun membre de combat ne peut te tuer. Il n'y a que ta famille. Notre sœur de bataille. C'est lui qui est venu avec les ongles. Décida, c'était qui? Sa petite sœur, n'est-ce pas? Le frère qui a témoigné sur le testicule qu'il avait possédé, c'était qui? C'est son oncle, n'est-ce pas? Pourquoi nous voulons laisser le témoignage? Il ne faut pas que le diable, le Judas, vienne nous embrouiller sur le chemin. Il n'a pas vu là-bas quelqu'un du ministère. Il a vu les ongles de Judas, sa sœur. On voulait le tuer. Comme il y avait des gênes, il a préféré gêner. Et sa sœur remonte à sa place. Ça, c'est des combats que nous combattons. Lorsque nous combattons, si tu es dans la distraction, c'est toi qui vas passer. Si tu es debout dans la prière, c'est elle qui va mourir. Dans les combats spirituels, il y a des gens qui doivent perdre ou bien gagner. Si tu veux gagner, soyez sérieux au combat. C'est comme les soldats qui vont à guerre. Les soldats sérieux ne meurent pas à guerre. Mais ceux qui sont distraits meurent. Les Judas. Je ne sais pas, les Judas, c'est dans ton quartier. Quand t'as collé. Je ne sais pas, les Judas, dans ta promotion. Quand t'as collé. Pour te détruire, pour affaiblir ta foi, pour te faire quitter le mystère, pour te montrer que de mauvaises choses. Je ne connais pas. Toi-même, tu connais. Celui qui vous fréquente, qui vient vous donner l'information, toujours de mauvaises nouvelles. Parce que les Judas, tout ce que notre sœur le matin a témoigné, vous croyez à ces choses-là.
toujours saboter, toujours des doutes. Ça, c'est le Judas. Nous lisons d'abord Matthieu 26, 47 à 54. Matthieu 26, 47 à 50, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée de pieux et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Sali, Rabbi !» et il les baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent la parole du Seigneur. Amen. Amen. Continue maintenant. 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par le paix. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Amen. Maintenant, tu lis verset à partir de verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'y répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant les sangs innocents. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez Judas, hein? À la fin, il voulait faire la repentance. On a déjà arrêté Jésus. Jésus a arrêté. Judas, il a douleur dans son cœur. Il a couru vers le sacrificateur, remettre l'argent. Il dit, prenez votre argent. J'ai livré un innocent. Ce n'est que quand on a arrêté Jésus que son cœur a été touché. Il dit, j'ai péché. Il a fait la bonne repentance. J'ai livré un innocent. Mais quand les sacrificateurs lui ont dit, peu importe, nous on s'en fout. Ce n'est plus notre histoire. Au lieu de venir pleurer, au lieu de rejoindre les 12, comme lui ne pouvait pas se convertir, il s'est pendu. Et Judas finira par mourir. Parce que lui ne peut pas se convertir. Il mourra dans ses péchés. Même au ministère, ceux qui sont des Judas meurent dans leurs péchés. Ceux qui sont dans l'épidicité, tout le temps dans l'épidicité, ils meurent dans leur épidicité. Les Judas ne se convertiront jamais. Parce qu'il n'est pas venu se convertir. Mais à la fin, quand il voit des dégâts, nous sommes en train de réparer les dégâts, les gens meurent. Depuis que nous sommes rentrés de Cotonou, on a commencé à réparer les dégâts de beaucoup de gens. On a mis beaucoup de gens à prière, ceux qui ont fait des bêtises. Jusqu'aujourd'hui, certains de Judas, la plupart ont quitté le mystère, la plupart sont morts. Les Judas ne se convertiront jamais. Il aura des remords. Il va se pendre. Il va tomber malade. Mardi cardiaque. Parce qu'il n'a pas la paix. Il a détruit le ministère. Là, on lui a fait du bien. On l'a fait voyager. Il n'y avait pas d'habits. On a habillé des gens. On cherchait les billets des avions, les visas. Avec l'argent de ces dieux vivants. Les visas que nous cherchons, lorsque nous voyageons, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du Seigneur. Mais quand les gens font la rébellion, quand les Judas se sont là, ils sont là pour détruire. Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu, il est le Dieu de vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les gens croient qu'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Un jour, ils vont se pendre.
comme Judas. Si tu es Judas, ce soir prends la décision. Je ne connais pas dans quel siège tu es. Tu es Judas Iscariot, tu es là pour détruire la vie des missionnaires, à raconter des faussetés. Prends la décision ce soir, change la vie, change ta position et le Seigneur va changer ta position. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Oh, alléluia, 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 na Jésus. Nazongelio oyokelanga yawe. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Kolo naboyi kokufa lokola Yudase. Nazongelio mwana na Nzambe. Alleluia, alleluia, yaraka yawe. Samboya boka na lero na zongelio papa na lola. Alleluia, amberanga. Alleluia, alleluia na Yesu. Bokonzi na kende ko api na zongelio de papa na bana yondi mama ye. Alleluia, amberanga. Alleluia, papa. Alleluia. Kwaya lelo ni male sambo yanga imwana e. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Kolo na boyi kokufa lokola Yudase yango na tiki nyonso na ye na yo lelo. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Masungi na zongeli yonde, papa na bana, na kende wapi, na suki na yoe. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Bokonzi na boyi kozanga, lola masia, mikola masumu, yango na yelelo na yoe. Alleluia, kolona, alleluia. Alleluia na Yesu. Bokonzi na bele lionde na mayamiso yanola ngai nazali mwana. Alleluia, 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 alleluia na Yesu. Bokonzi ni matalo sambo ya ngai mwana na busani na yo na popa lelo. Nazali mwana, nazongelio,
ya lelo na boyi kozanga lola masiya e Hallelujah Hallelujah na Yesu makonzina bangoli motema papa ya lelo na ndimi solo kozala mana nayo papa lola e Kayalero, nani mi solo, na zongelio e. Papa na Hallelujah, Hallelujah, na Yesu. Chika na bele la kolo, papa na bana, se kure nanga, e ko uta na yo e. Sarina
Colera mote mananga ngaile lona zongelio na boi kokufa lo kola yudase kangona yele le paina yo mosungina ngayo ndi malo sambolanga papananga kole mangaite na boi kola lailo kola yudase yangona zongelio Chica maite ro cola yuda se papa Yangona kichina yo e Cole mamaite ro cola yuda se shido Nicola bolingwa mboko Yangona kichile le paina yo Zola.